Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait une chevelure de Talkasha. On va essayer de viser un génie perf pour mettre une rune, reste distance pour aller sur un Xelor PVP. Bon, la difficulté, c'est les 32 cris. Hein. Tout l'item est relativement bas, il y a un PO, mais les 32 cris sont compliqués. Ma strat, là, c'est de mettre les deux cris à 27, de faire sauter le PO, et d'espérer que l'appât de cris passe ou éventuellement crit. Allez, c'est maintenant. Ok, bon, on a déjà moins 15. Ça va être compliqué à faire si je veux vraiment chercher du near perf. Voilà, donc là, une ravie qui passe pas, c'est déjà mort. Il faut vraiment après que chaque rune passe, quoi. Il n'y a pas trop de choix, mais. Bon, là, ça vaut même pas vraiment la peine de continuer, malheureusement. Allez, on y va pour la forme, hein, mais. Voilà, donc la strat, ça va être. Il faut que la pas de pou... Enfin, la pas de cri, soit elle crit, soit elle passe direct, et qu'après, j'ai vraiment beaucoup de succès sur les runes. On continue. 47 depuis là-dessus. Allez, l'appât de crit. Bon, bah c'est mort. Ah, quoique. Bon, il m'aurait juste fallu la ligne rouge en moins, quoi. Ça aurait pu faire un truc. Vas-y, on tente, mais. Vraiment, si j'en ai une qui passe direct, je pense qu'il y a moyen de gratter une belle tenta, mais. Il me faudrait une petite rune intel ou une rune faux. J'ai pas ça qui traîne par hasard. Et voilà, la petite rune innée, bien sûr, qui passe. Une petite passa qui passe. C'est marrant ça. Hop, moins 8. En vrai. Je vais pas chat. Pas âge. J'ai moins 6. Il me reste 8. Ah, ça va être compliqué là. Et on a le PO en plus. Bon, bah il n'y a plus qu'à espérer que le PO ressaute assez vite. Genre maintenant. Je peux soit avoir beaucoup de réussite sur un PO, soit deux PO consécutifs avec des bonnes congruences sur l'appât de crit. C'est le meilleur cas de figure, je pense. Il veut pas sauter là? Non. Tant pis, on continue. Ok, ça ressemble à l'attentat ultime ça. Hein. La vita incroyable, la sagesse incroyable, les 27 de crit. Il faut juste que l'appât de crit roll pas et que le reste se passe bien. Allez, on y croit. Non mais ce qui est bien avec Dofus c'est qu'on s'amuse. On s'amuse en jouant au jeu et ça c'est quand même c'est quand même pas mal de passer un bon moment tous ensemble, vous voyez ce que je veux dire quoi. Allez next. Allez là, pas d'eau. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut comme start. Allez là il peut se passer un truc du coup. Dommage, il aurait fallu que la ravie passe direct. Ça va être compliqué du coup, on va test mais. On va être un peu limité sur ce qu'on peut choper. Le crit qui passe également. Bon voilà, en tout cas c'est sur ce genre de setup qu'on peut espérer avoir quelque chose. Retrépéa qui troll un peu, moins 7. Voilà, bon. Là il y a la ravie qui a pas trop vendu du rêve, et puis j'avais perdu un repère avant qui n'était pas passé. Mais sur ce genre de. Voilà, ce genre de configuration, le crit à la pas d'eau, sur un jet congruence correcte, on peut avoir un truc stylé qui sort quoi. C'est vraiment l'idée. Vas-y, on crit un peu encore quelques runes. Si on crit ça, en vrai, il n'y a pas moyen d'arnaquer un truc là. J'y crois. Hein. Ou de casser le PO. Non. Voilà, en tout cas, je pense que je vais valider la façon de procéder. Puis ça finira par passer comme ça, je pense. Magnifique tenta sur la cape Talkasha d'un abonné. Il a 16 depuis encore sur l'item, selon lui, il m'a proposé de terminer l'attentat. Commencez pas ça, qui ne passe pas malheureusement, donc il reste 7. Et avec 7, le mieux à faire, c'est tenter double pavis. Voilà, ça passe pas, tant pis. Hein, la passa aurait pu passer relativement facilement, on aurait pu monter à 30 sagesse, ça aurait été stylé. Est-ce qu'on a le PO, les amis, sur cette magnifique cape Talkasha, moins 3 vita, moins 1 sagesse? Est-ce qu'on a le PO? On a le PO. Voilà, bon, bah c'est chouette. Vraiment dommage pour la passa, franchement, ça aurait changé pas mal de choses. Surtout que c'est pour jouer sur un mode où il y aura du retrait, donc la sagesse est toujours très intéressante. Et l'avantage d'avoir 30, c'est qu'on peut faire de l'over pour aller chercher le jet parfait. Malheureusement, c'est pas passé, puis il n'y avait rien à faire avec le reste. Bon, elle est quand même très très soignée. Écoutez, bah du coup, je vais lui racheter, je vais voir ça juste après en privé avec lui. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.